Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va entamer le cours, étudier la fonction print et la fonction input, puis on va finaliser avec les structures de contrôle. Donc le plan est comme suit. On va étudier la fonction d'affichage print, puis le formatage des valeurs. On va voir les options de formatage. Puis on va étudier la fonction input. Et on passe au dernier niveau, aux structures de contrôle. On va voir les blocs d'instructions, les instructions conditionnelles if, les alternatives if-else, les alternatives multiples if-else, if-else, les implications de conditions et les choix multiples. On commence par les opérations d'entre-sortie, telles que les inputs et prints. On commence par la fonction print. La fonction standard print est directement accessible. On l'appelle, c'est une fonction boolean. Il affiche la représentation textuelle de n'importe quel nombre de valeurs fournies entre les parenthèses séparées par des virgules. À l'affichage, ces valeurs sont séparées par un espace. L'ensemble se termine par un retour à la ligne. Il est modifiable en utilisant les deux arguments par mot-clé. C'est-à-dire la fonction syntaxiquement, c'est-à-dire on va déchirer un affichier entre parenthèses, mais les deux arguments sont par clé, ou est-ce que c'est égal double quote. Il y a un espace par défaut, ou le deuxième, end égale, fait le 1, le retour à la ligne. C'est-à-dire par défaut, la fonction print, qui est le séparateur comme espace, la virgule qui sépare les arguments, une fois qu'il s'est lié l'affichage, qui est un retour à la ligne. Les arguments qui sont par défaut. On va utiliser ça à travers des exemples. On a le premier exemple. Exemple. Je vais initialiser une variable. La variable qui s'appelle langue est égale à chaîne de caractères comme Python. On dit une autre variable, la date d'essence de ce langage qui s'appelle D2N. D2N est égale à la date d'essence de langage, il est né en 1991. On met son âge, à quoi est égal son âge? L'âge est égal à la date en cours, c'est 2020. Espace moins. Moins date de naissance. On va afficher les expressions en utilisant la fonction print, la fonction boolean print, on dit le double quote, le langage, espace, on met l'espace égal qui met le langage, virgule, qui se parle par virgule. Une fois que la variable, quand c'est le nom de la variable, c'est-à-dire on va afficher la valeur de sa variable, mais le bête, quand c'est le langage A, ah oui, ça s'affiche en direct tel qu'il est. Maintenant, je vais afficher l'âge, la variable l'âge égale au rendez-vous ANS. Double code ANS. On dit la première ligne, deuxième ligne, on dit le print. Double code en 2030. En 2030, il aura, virgule. On va utiliser une expression, il y a 2030 moins sa date de naissance, virgule, on le cherche à un S. Moi, on peut dire que c'est la fin du programme, mais qu'il y a un mouchkin, il aura un peu S. En 2030, on dit la fin du programme. Print. ممكن يديروا واحد لانين خاويه انا برينت المهم حتى هي تقدر تلقاو مثلا برينت ما عندها حتى شي بارامتر باش نستعملها نديروا حتى هي غنديروا برينت مثلا فان دي بروغرام يقدر يكون 0 1 2 و بليزيور بارامتر دونك فان دي بروغرام زين نتعرفوا سانتاكسيكمون هاد لا فونكسيون برينت كيفاش داير فان دي بروغرام دير لاحظتوا معايا هنا ممكن كاين 4 بارامتر 4 بارامتر هنايا اوكان بارامتر ممكن تستعمل لا فونكسيون برينت هنا ان سول بارامتر donc il est plusieurs fois surchargé à la fonction. On exécute l'exemple. L'affichage, le langage Python a 29 ans. En 2030, il aura 39 ans. Ou à tani de printf, qu'est-ce qu'on me fait? C'est chez parenthèse, c'est que la ligne vient, bachar, faut bien la raquille, c'est l'argument par mot-clé, les end égale anti/n. Fin du programme, affichage. Ça marche, donc nous y sommes. À travers l'exemple, on a fait l'exemple. Je vais commenter l'exemple 1. On a le deuxième exemple. Deuxième exemple, je te fais un chauffeur, un stamelo, une autre. Le format, on va utiliser la technique qui s'appelle le F-string. Le F-string,
à Paris dans Python 3.6. C'est-à-dire, les développeurs qui travaillent sur la version de Python avant 3.6, Radar Technique Fstring, c'est-à-dire, ni un Python au-delà de 3.6, soit 6 ou le 7 ou le 8, 3.8, on va simuler le Fstring, très utilisé. Syntaxiquement, qui est le print F, le Fstring, c'est-à-dire Fstring, F chaîne de caractères. Là, c'est une seule chaîne de caractères. Accolade ouvrante, accolade fermante, ou le derrière, soit la variable, ou lorsqu'on a une expression mathématique, ou bien appel de fonction, ou bien un nom de module, et donc, ni qu'un éliminant par les accolades ouvrantes, accolades fermantes, mais les autres qu'un affiché les textes tels qu'ils. On a l'exemple 2, je supprime les commentaires, on a l'exemple 2, on a le même exemple, je suis en là, il y a un salut d'abord, le FST, c'est-à-dire le même exemple, c'est le contrôle C. On va mettre l'exemple d'Eli, l'exemple 2, on dirait CTRL V. Je vous montre les changements, on va mettre réel blasa de printer. Donc, c'est ce qu'on a dit, il y a un Python, il est très sensible, fait qu'il y a des indentations, c'est un seul espace qui est installé. Donc, le nom, je le printer, le lars, ou le hagen, il y a la lettre F, il y a le lars. Ou le une seule chaîne de caractère, il y a un hido, il y a le code, il y a la chaîne. Il y a le code, hido. On a juste affiché le langage, espace, donc espace, langue, c'est une variable, il y a une délimitée par accolade ouvrante, accolade fermante. A, oui, c'est affiché tel qu'il est, donc on a A espace, virgule, maintenant, là, je prends la valeur de l'âge. Il y a l'âge, c'est une variable, donc je vais l'âge, c'est une délimitée par les accolades. On a la virgule, espace A, N, S, oui, c'est affiché tel qu'il est. Deuxième, c'est le f-string, on a les accords de l'intérêt. Et en 2030, il aura peut-être affiché tel qu'il est. Par contre, 2030, modèle d'essence, c'est une expression identique qu'on délimite par les accolades. ONS, peut-être affiché tel qu'il est. Fin du programme, il y a le f-string, il y a la variable, ou l'expression, ou la fonction, il y a le f-string. Le f-string, on veut afficher les variables, le contenu des variables, ou bien d'une expression mathématique, ou bien le résultat de la valeur de retour d'un appel de fonction, ou bien le nom de module. Là, de manière, une fois rendu l'exécution, on va atteindre le même résultat que précédemment. Là, de manière, le langage Python a 29 ans, en 2030, il aura 39 ans, atteint avec la ligne grise et fin du programme. Là, de manière, donc, un ensemble les exercices, les séries. Toujours, on va utiliser le print qui utilise le f-string. Tabihal, il y a ma canette natashi variable, on s'amènerait le print à l'IA standard. Je supprime, donc l'exemple 2, ça marche, je le commente. Et on passe au suivant. Exemple 3. L'exemple 3, en deux l'exemple 3, je le fais. Je vais s'amène les expressions avec les modules. Je fais l'exemple 3, on va avoir un commentaire. On a un exemple, je dis l'exemple 3. L'exemple 3, je vais initialiser une variable qui s'appelle somme est égal à 256.23 par exemple. Entrée, on dit une valeur vale, les est égal, on est à 12. Moi, je vais afficher la moyenne entière, donc c'est print entre parenthèses, ou que je vais utiliser le fstring, puis je vais utiliser la moyenne, c'est un ensemble des variables. Et la moyenne. La moyenne entière et à quoi est égale la moyenne entière? La moyenne entre, puisque c'est une expression, je vais la délimiter entre les accolades. À quoi est égale la somme divisée par la variable. L'expression fait que cette compte n'a d'un contrôle X, cette compte fausse les accolades. Mais qui a l'opérateur, je viens déjà, l'opérateur conditionnel, c'est un opérateur arithmétique, ou 9 Python, qui s'émule de l'opérateur, les deux cas, soit que tu as la division entière, ou bien la division réelle. Et quand tu as un sur cela, c'est une division réelle. Mais quand tu as deux cela, c'est une division entière. On a pris la moyenne entière, c'est-à-dire la moyenne entière. Donc la moyenne entière, on a s'émule de quoi, c'est une convention d'expression, on va utiliser une fonction qui va convertir float vers int, il y a la fonction int. On a un appel de fonction. Exprès, je vais vous dire comme fausse les accolades, je peux appeler une fonction. Il y a une fonction int, j'ai appelé fausse les accolades. F string int somme divisé par. Vas-y.
Parenthèse, c'est quoi? Non. Calculer les sinus. Je vais utiliser un autre print. Donc, c'est print. On va s'amener le f string, c'était f. On accepte les sinus. Les sinus de E. Les est égal à quoi est égal sinus de E? C'est math.e. On a math.e à l'exponentielle. Il faut avoir la bibliothèque. Hein? On doit l'importer. Donc, de la façon comment importer les modules Python. Qu'un chapitre dédié à la partie à 10 en chevaux. Pour l'instant, il faut l'admettre. Comment importer une fois dans la bibliothèque math, quand il aurait importe le nom du module lié à ce mise en math. Le module math, il contient toutes les fonctions, soit la sinus, cosinus, la puissance, les racines carrées et d'autres fonctions, les enchevaux. Donc, je finis de bien, E est E, prédéfini, c'est math.e, ou en tout cas, math.e. Donc, ce n'est là, les accolades, on a eu le module, le nom du module. Donc, c'est ce qu'on fausse. Fausse la couleur. Mat point. Donc, c'est les sinus de mat. A, E, S, T. On a une expression. L'IFA. Sinus. Donc, quoi? Sinus. Hein? C'est sin. C'est une fonction. Sin. Qui appartient au module mat. Donc, c'est. Donc, c'est un mat point sin. C'est mat point sin. DLH. DL mat point. DL mat point. Ça marche, chilique. Donc là, tu m'as dit, la première print, j'ai utilisé une fonction. Le deuxième print, j'ai utilisé le nom de module. Ah, le module, c'est le nom, c'est math. J'exécute. La moyenne entière, il y a ta type 21, je vais vous dire la parenthèse, ou un des sinus, les sinus de E est égal. Donc là, donc la moyenne entière est, la parenthèse, c'est simple. Là, c'est l'exemple 3. Ça marche, on a gardé l'utilisation de la barre de la chose, je vois, dès le formatage de la fonction print. Nous avons les options de formatage. On a une autre des options de formatage. Les accolades. Exemple 4. Donc, on a fait l'exemple 4, on a les options de formatage. On a fait l'exemple 4, je vais initialiser une variable. Donc, je vais mettre l'exemple 4. Je vais utiliser une variable x est égal à 123.456.789, par exemple. Initialiser une variable n est égal à 100. Et je vais utiliser une chaîne de caractères ch est égal à Python, par exemple. Et je vais afficher à détruire les variables en utilisant le formatage. Donc, on met au print, print f string. On va dire le formatage d'annoncé. Formatage d'annoncé. Donc, c'est bon, là, formatage. Formatage d'un nombre. D'un flottant. D'un flottant. Formatage d'un flottant. Espace de points. Donc, on a affiché la valeur x, je vais dire les accolades. Donc, je vais afficher la valeur de x. Donc, déjà, on a un x, ou les on a un formatage, on a un signe de point. On a affiché deux chiffres après la virgule. Il y a l'initialisation, on a 6 chiffres après la virgule. Il y a affiché deux chiffres après la virgule. Il suffit d'écrire point de f. Vas-y, on a annoncé. CTRL-C, on va dire d'abord le formatage d'annoncé. CTRL-V. Un changer float d'un lentille. Formatage d'un lentille, lentille est égal à n, donc change x par petit n, ou l'équipe d'abriter d'un lentille en binaire. D'un lentille en binaire, mettez. En binaire. Il abrina en binaire. Renhei de point de f, parce que c'est vrai la lettre petit b. C'est marre à binaire, brita en binaire. Brita en octal, qu'on dit O, brita en hexadécimal, qu'on dit le x. Donc, on a fait l'exemple d'abord de la binaire. Vas-y. Un deuxième pour le formatage d'une chaîne de caractères. CTRL-V, formatage d'une chaîne de caractères. Directeur, la variable Smith SCH, la variable SCH. Pour le formatage, on a rendu la
الوغ نجي هنا ندير لكم واحد لي ساكولات غير باش يبانوا ليا لي بورن اذا نستعمل سي اش نقولوا افيش مو لا فالور دو سي اش اكوش اكوش هي انفيريور هذيك اون ريزيرفون دي كاركتير دونك الى بغينا سي اش كيس كي كونسيير ان لو مو بيتون بيتون فيه 6 كاركتير معنا ريزيرفي 10 دونك افيشي بيتون اون فوا كومبليتي بار 4 اسباس بغيت ادروات غندير كونترول سي ونجي هنايا ونقول لهم فوالا كونترول في باش يبان لنا جو شونج هاد لوبيراتور انفيزور انفيرو ندير سيبر زعما افيش موا لو مو بيتون ادروات تو ان يل فوا افيشي 4 اسباس عاد بيتون ولا بغيت في السونتر ندير لو كونترول في جو شونج جو في ان نقول له شابو Affiche-moi Python au centre ou complété par les espaces. Il y a deux espaces, Python, A, par deux, un, deux espaces. Donc, on a un chevaux pour le formatage d'un flottant, d'un anti-binaire, hein, d'une chaîne de caractères. On exécute. Vas-y. Le formatage d'un flottant, on a deux chiffres à faire. Le formatage d'un anti-binaire, on a un binaire. Le formatage d'une chaîne de caractères, on a Python, on a une inférieure affichée, on a Python à gauche, on a 4. Donc, on a داك 10 اللي درنا هي هذه كامله ملي عطيتو سوبيرور بيتون افيشا بيتون ادروات دونك دار 4 اسباس عاد كمل بيتون ملي درنا شابو بيتون افيشا بيتون في سونتر دونك خلى دو كاركتير اسباس هنا افيشا بيتون فيها 6 عاد كمل 2 هي 10 دونك هذه تكنيك مهمه حتى هما الا بغيتو تستعملوا شي مود دافيشاج عندكم شي فورما بيان بريسي في لافيشاج داد الاف سترينغ افيك الفورماتاج راه تحل لكم المشكله بيان هذا سي ليكزومبل 4 اون باس D'abord, on désole la fonction de 6. On désole la fonction de 6. La fonction de 6, il y a input. Donc, la fonction standard input est directement accessible. C'est-à-dire que c'est une fonction boolean. Ce qui va faire une fois qu'on a l'appel de la fonction. Donc, à l'exécution, l'ordinateur, ce qui va interrompre l'exécution du programme. C'est-à-dire qu'il abaisse le programme. Affiche éventuellement un message à l'écran qui est affiché dès que je l'ai déposé en paramètre de la fonction input. Il attend que l'utilisateur entre une donnée au clavier et appuie son entrée. Donc, il prend, quand il prend l'expression, la variable est égale à input, quand il prend en stand-by, quand il prend en attente, si l'utilisateur tape une valeur, quand il affiche sa variable, quand il restitue le programme. C'est une saisie en mot texte. La valeur saisie vit comme une chaîne de caractères. Donc, la valeur de retour de la fonction input, c'est une chaîne de caractères. Donc, on peut ensuite changer l'outil. Maintenant, l'âge égale input. Donc, là, c'est un nom. On a un input qui est retenu une chaîne de caractères. Donc, faites le cas, c'est converti le type string str vers l'anti-int. Ou si je finis les chapitres précédents, il suffit d'utiliser la fonction bool.int. Quand on a un embryon, on va la fonction prédéfinie, les hierflot. Donc, on va voir à travers l'exemple. مزيان كنشوفوا ان بو دو تيوري عاد كنديروا ليكزومبل باش بنادم يضبط الكور ديالو مزيان عادي كود باش مابقاش كثر عليك اوت لي زيرو مزيان برينت سير ليكزومبل 5 دونك جو في ايتيليزي ان شين دو كاركتير تيل كو لو نون دون بيرسون نقولو تابي فون دونك جو في ايتيليزي لا فونكسيون انبوت اكسبلو تابي فوتر نون انبوت سي اون فونكسيون دونك بار فيزا دوبل كود تابي فوتر نون دونك هادي سي تشين شين دو كارات ما كاينش مشكل دونك الا بغيت انايا من بعد نقول له سيدي بغيت جي جي وعاد لو مود دال سي ليكزامبل 5 دونك سي جي جي سميتي لو جور جي جي ايغال جي جي سي تان انتي اذا خصني ندير انت انتر بارونتيز عاد نعيط لا فونكسيون انبوت هادي لا تكنيك اللي قلنا ملي يكون عندك باغيت لا فالور دو روتور سي تان انتي وهي ديجا انبوت كاتر تو انشي دونك خصك تكونفيرتي دونك تابي لو جور تابي le jour deux points donc la convigina donc si les gagnants le jour contrôle c on va aller en couleur le mois on couleur ça là il est au lieu de jj je remplace jj par mm on va taper le mois ou l'année à changer jj par AA. On va le taper l'année Une fois saisi l'adéquat, on peut afficher le résultat print en utilisant le f-string. F-string. Vous êtes, maintenant un message, vous êtes, flam, flam. Donc vous êtes
à colonne ouvrante, là, je vais afficher la valeur de cette variable liée à le nom. Vous êtes là, votre âge, ou votre date de naissance, et le point, oh, pour la date de naissance, je vais utiliser des variables, idem à colonne de double, à colonne deuxième, à la troisième, à colonne. Parce que j'ai JJ et MM et A. Donc, on a rendu le JJ, le jour, on va dire slash, slash, on va dire à l'extérieur, on va dire MM, ou slash, on va dire à l'extérieur, ou on va dire l'année. Ah. Bien, donc vous êtes votre date de naissance. Mais bien, si je vous fais l'exemple, on va étudier, exécuter le programme. Donc là, tu m'as le programme et ça aide. L'utilisateur est tapé le nom, on a réussi le programme. Donc, tant que l'utilisateur me saisit, a de l'instruction, a le programme et pas en attente. Donc, l'utilisateur est tapé par exemple, elle est oui. On va taper le jour, mettre le 14, entrée, le mois 5, 1990 par exemple. Donc là, affichez là, vous êtes elle est oui, votre date de naissance est le 14-5-1990. Donc, slash, et donc là, tu m'as dit l'exemple, j'ai utilisé une chaîne de caractères où j'ai utilisé trois variables de type int. Donc, d'être la conversion à être affiché le résultat. Donc, elle me sait, il ressemble à devoir. Une fois que tu sembles, les fonctions de l'entrée sont aussi telles que input et input et print. Bien. On passe aux parties suivantes. Donc, je commente la partie. Au rendez-vous. La partie tenue, il y a les structures de contrôle. Hein. Les structures de contrôle, parfois, qui les appellent sont des structures conditionnelles, ou bien les structures comparaison, ou bien les alternatives. C'est le même chapitre. Le but de l'instruction simple, l'objectif, effectuer des actions seulement si une certaine condition est vraie. Syntaxe Python, générer if condition deux points, et alors la condition, il génère une valeur pour rien. L'instruction, c'est-à-dire une indentation, c'est-à-dire créer quatre espaces, c'est-à-dire le bloc, il doit aller à la condition. Si la condition est vraie, alors cette instruction, il va être exécutée. Ou bien le bloc, c'est-à-dire instruction avec pluriel. Gagne le bloc d'instruction, c'est qu'on fait la même indentation. Ou là, on a une instruction qui est décalée, faire la partie, elle dit, les instructions à exécuter, c'est vrai. Si la condition est vraie, il va être exécuté. Mais ça, finalement, instruction K, il va être exécuté soit la condition est vraie, soit la condition est fausse. Ça marche donc, Python, il y a l'indentation, si j'ai déjà ça. Deuxième exemple 6. L'exemple 6, il y a le commentaire. L'exemple 6, c'est simple. Notre A, je vais saisir une note. Note égale. La note suite à l'envoyer, idem flow at, entre parenthèses, inputs. Tapez votre note. Input, c'est une fonction. Tapez la note. Deux points. Une fois incisé la note, on va dire la condition if, espace note, il est supérieur. Ou égal à 10, pour dire le point, il faut dire entrer à l'éditeur qui est indenté à son. Ou on a un saisi ou une message il y a une fonction print, j'affiche bravo, bravo, vous avez réussi, virgule, vous avez réussi. Point. Ou on a une fois affiché, on a un on dirait une instruction qui n'a pas à l'aise avec la condition de la note. Idem print, on va trouver fin du programme. Fin du programme. On a plus rien qu'à dire, mais je fais mobile d'instruction qui n'a pas à l'aise avec le bloc. Par contre, bravo, vous avez réussi. Alors, qu'est-ce que c'est un bloc? Alors, on a le bloc d'instruction, c'est-à-dire qu'il dépasse deux instructions. C'est-à-dire qu'il y a un message qui est maintenant sur trois lignes. C'est-à-dire que là, bravo, ou la deuxième, vous avez, ou la deuxième, c'est-à-dire, vous affichez, bravo, vous avez réussi, ou les trois lignes. Vous affichez, là, vous avez les trois instructions, elles appartiennent au même bloc, mais si la condition est vraie, les trois instructions, elles vont exécuter. Sinon, à la fin du programme, elles exécutent soit quand la condition est vraie ou bien faux. On exécute.
On chauffe les deux cas. On chauffe là lorsque la condition est vraie. Donc tapez la note, la note de 15-18, réaffichez les bravo, vous avez réussi à la fin du programme. On dit la deuxième simulation, on dit une fois, j'exécute. Là, de manière à afficher les à fin du programme. On a d'abord une note qui est inférieure à 5, entrée à la fin du programme, c'est-à-dire les trois instructions me dirigent. On dit qu'elle se met instruction simple. D'abord, on désole d'autres exemples. Je commente à l'exemple, à des instructions simples, c'est-à-dire if. Sans else, c'est-à-dire le divorce, faut que sache qu'il connaît le divorce entre if et else. Parfois, je peux utiliser if sans else. Il y a de le cas. Si la condition est vraie, affiche-moi, sinon, ne fais rien. Il y a de la technique qui est une instruction simple. D'abord, en deux ans, la remarque. Je n'ai que la remarque. Si la condition logique est contenue dans une variable booléenne préalablement calculée, elle peut s'exécuter, supprimer son gagner. Parfois, pour la programmation, c'est qu'on a comme if variable égale égale 0. Parfois, pour la programmation, c'est pour if non variable 2 points. Donc, il est dit, mais comme if non variable égale 2 points, rappelle à l'indic, la variable qui est 8. Mais quand on a if non variable, rappelle à if la variable égale égale force. J'utilise l'écriture qui est compressée. Il est optimisé à l'écriture. Donc, if non variable, Alex, if la variable égale égale 0. Deuxième structure alternative. Effectue des actions différentes selon qu'une certaine condition est vérifiée ou pas. Syntaxe Python, qui est de l'if condition alors, aucun indenté, on a par 4, et ça c'est 1, 2, 3 et 4. Donc, là, quand la condition vraie existe, else, c'est là, on a l'indentation, on a affiché les instructions. Donc, oui, maintenant, si la condition est vraie, un chevet ne fait l'exécution. Par contre, l'instruction ne sera jamais exécutée. Si la condition est fausse, la ligne ne sera pas exécutée. Par contre, l'instruction qui va être exécutée. Quelque attention, le S n'est pas suivi d'une condition. D'ailleurs, lorsqu'on S, on a une condition S de point Mouacha. Exemple 7. On a le même exemple. On va essayer d'un moment où on a CTRL-C. On a l'exemple 7. On a CTRL-V. On a les commentaires. On a le bravo à dire Joa Kikens, ça fait féminin, qu'est-ce que c'est qu'un bloc? Donc, CTRL-C, CTRL-V, vous avez réussi. On a les deux instructions. On a une fin du programme à Khaliwa Tseltsini, on a deux else. Donc, CTRL-C, on a un truc else, else, c'est ce qu'on a là. Au lieu de L, on a un truc else, ça m'a sinon, else. Désolé, vous avez échoué. Échoué. Ou à la fin du programme, Mais si la condition est vraie, l'instruction qui va être exécutée, par contre, l'instruction ne sera jamais exécutée. Si la condition est fausse, cette instruction ne sera jamais exécutée, mais cette instruction elle sera exécutée. Par contre, l'instruction fin du programme, elle va être exécutée dans les deux cas. On exécute, on a les deux cas. Tapez la note, j'utilise une note qui dépasse 10, donc bravo, vous avez réussi, fin du programme. Deuxième simulation, on a une note qui est inférieure, on a la note 5, explosé, désolé, vous avez échoué, fin du programme. Ça marche, donc, bien sûr, déjà, les structures if else. Je commente l'exemple. Donc l'exemple 7, ça marche. On va me suivre les alternatives multiples. If else, choix multiple. Un homme qui connaît enchaîner plusieurs. Un ailleurs, ça va être contre d'accord. Objectif enchaîner plusieurs conditions. C'est des qui connaît un choix multiple, plusieurs conditions. Quand il faut qu'on fasse la part, fasse syntaxe. Je décommente la partie, il y a l'exemple 8. On regarde un exemple. Il y a l'âge d'une personne. Âge est égal int, entre parenthèses, input, entre parenthèses, tapez votre âge. Tapez votre âge, espace de point. Une fois tapé l'âge, on coule le if, espace, l'âge est inférieur ou égal à 14. Deux points. Je vais créer une variation qui s'appelle catégorie. Catégorie. Je vais affecter une chaîne catégorie enfant.
نعم شو else if لحظة ما ديجا شفنا else if كان ديروها كومبريسي else if هنا عندي لاج إت انفيريور بلا 14 تبقى انفيريور أو إيكال 24 دو بوان غيكون عندي كاتيغوري أدوليسون كونترول سي كونترول في أدوليسون أدوليسون if age est inférieur à 64 else if age est inférieur ou égal à 64 deux points catégorie adulte CTRL C adulte else sinon else deux points CTRL C, any. J'affiche le catégorie d'une personne, donc c'est print. Le f-string, vous êtes, ou dans votre catégorie et deux points, espace, les accolades. On va dire aurait catégorie. Catégorie. Machilique. Donc là, c'est l'implication de plusieurs conditions, enchaînement de plusieurs conditions. On exécute. On regarde les cas. Votre âge, il est quand même dit inférieur à 14. Là, tu m'as dit, c'est un enfant. J'exécute une autre fois. On a regardé chez vous. Maintenant, 40, entrée à Tani adulte, on a retenu le DDA qui dépasse maintenant 70, je supprime chez, j'exécute. On a retenu le dernier cas, maintenant 80, entrée, votre carrière est N. Ça marche, donc la partie de l'actuariat, le programme, fiche mouchki. Donc l'exemple 8, pas de problème. Je ne barre rien, donc je commente la partie de l'exemple. L'exemple 8, l'implication des conditions. Implication des conditions. On a retenu que l'exemple de l'implication des conditions, c'est Mohim. Donc, dans Finish Finity, je vais vous commenter. Ctrl X. Bien, il y a des espaces. On a l'implication des conditions. On a retenu l'exemple, c'est A, finalement, avec des large. Donc, je copie-colle l'autre programme, je vais dire le CTRL C, là, de manière à une implication, c'est des billets, il faut se mettre une autre if. Donc, c'est l'exemple 9, CTRL V, on hide les commentaires. Je vais te faire un la note, if la note est supérieure. Bravo, vous avez réussi. Je vais te faire une autre if, il faut se mettre une if, il est la note, il est supérieur ou égal à 16. Deux points. On affiche le message, CTRL C, CTRL V, on clôt avec mention. Avec mention. Mais maintenant, if la condition elle est vraie, Rajikem, la Dakulu, Dakhala, c'est le bloc de la condition. Rats affiche, ou l'équin, il est quand un autre est supérieur à deux, Rats affiche, bravo, vous avez réussi. Il est quand la note il est compris, il est inférieur à 16, ça affiche. Bravo, vous avez réussi. Par contre, il ne sera pas exécuté. Par contre, lorsque la note est supérieure à 10, affiche. Bravo, vous avez réussi. Mais la note, maintenant j'ai 16 ou 17, 18, 19, 20, ça affiche. Bravo, vous avez réussi avec mention. Donc, il faut se mettre une autre. Bien, j'exécute. Là, je vais chercher. On a fait la note, mais c'est 14. Bravo, vous avez réussi, fin du programme. Bravo, vous avez réussi, fin du programme. On a fait une deuxième simulation. On a fait une note comprise entre 16 et 20. On a fait la note, maintenant le stagiaire, j'ai 18. Bravo, vous avez réussi, mais avec mention. Hâte, fin du programme. Bravo, vous avez réussi, avec mention. Hâte, fin du programme. On a fait la dernière. شيء واحد اللي جاو لا نوت انفيرور ا 10 طبيعي الحال كاع شي كامل غيت اكزيكوتاش اللي غيت اكزيكوتا هي ديزوري فوزافي ايشوي اف ان دي بروغرام مثلا شي واحد جاب 4 د
Désolé, vous avez échoué, fin du programme. Donc, toujours, mais quoi de l'écriture de contrôle, il faut vérifier à l'écran. Ça marche bien. Prenons le dernier exemple. Donc, je vais commenter maintenant. En dessous, les choix multiples, c'est-à-dire les autres langages de programmation, dans la structure qui n'est qu'un simple A, ou Python, mais qui n'est qu'un simple A. Donc, maintenant, commenter, il dit, c'est hier d'achat les choix multiples. Donc, là, tu m'as dit, c'est choix multiple. Donc, il y a quoi choix multiple, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a maintenant? Switch valeur. Switch valeur pour les autres langages, tels que C ou bien C Sharp ou bien Java ou bien d'autres langages, qu'un symbole, la structure, c'est switch valeur. La valeur, soit qu'un symbole, la valeur entière ou bien un caractère ou bien chaîne de caractères, c'est C Sharp ou bien Java, qu'un symbole qui connaît un choix multiple ou les qui connaît les cas sont bien précises. Dans le cas où la valeur égale une valeur, j'exécute. Qu'est-ce qu'on a fait à l'optimisation? Donc, Python qui s'est cherché, ou l'alternative, je n'ai pas de Python, il y a rassemblé le else if. If, else if, else. Donc, on a un exemple, je vais décommenter. Un choix, exemple, les choix multiples, qu'est-ce qu'un s'est fait la structure switch, qui fait choisir une semblable au code en utilisant seulement if. Un autre NP article, on va acheter un article. Je vais demander à l'utilisateur de saisir l'article, c'est-à-dire un article. NP article égale int entre parenthèses input entre parenthèses taper le nombre d'articles à acheter deuxième ligne je vais saisir le prix initial d'un article donc c'est prix égale float, c'est un envoyé d'un float entre parenthèses input, entre parenthèses taper le prix initial, le prix initial d'un article. Taper le prix initial de l'article, bien, une fois tapé, je vais le switch, maintenant je vais rendre le switch Python, donc je vais rendre l'explorer if, dans le cas if np article égale à 1, bien, si vous achetez un seul article, je vais utiliser une autre variable qui s'appelle taux de réduction. La réduction c'est 0.0 puisque vous avez acheté un seul article. Donc, ma conjointe de réduction est un 0.0. On va machine dire non, else if. Else if, je n'ai pas de Python, qu'on dirait else if, espace, nb article, de égal à 2, 2 points. On va rajouter nb article, contrôle C, contrôle V, on va exposer 0.02 par exemple. On dit le copier-coller, CTRL-C, pour trois articles, entrée pour quatre articles. Donc, si on achète trois articles, la réduction c'est 0.03. Si on achète quatre articles, on dit le 0.04. On dit le else. Else, sinon, si on achète au-delà de 4, CTRL-C, on va dire le taux, il va fixer à le taux de 0.01. Une fois inséré, on va dire le bloc, je vais afficher un message. Je vais calculer l'expression mathématique, le prix global. Est à payer, donc le prix global est à payer est égal sur le prix initial d'un seul article multiplié par np article espace étoile marouf à l'expression c1 moins le taux de rente. Une fois calculé le prix global à payer, je peux l'afficher en utilisant print fstring. Le prix global à payer, le prix global à payer et espace de points, on déroule les accolades, on attend le prix d'INA, on calcule INA, c'est le prix, on déroule le DHS, ça veut dire.
Ça marche donc à des exercices qui n'ont qu'un simple switch. Cela a deux manières égales, égales à 1. Quand on a bien fait un des articles d'ordre, c'est qu'on soit entier, soit le type de caractère, ou bien chaîne de caractère. Donc, il y a l'alternative qui veut simple à Python. On exécute, on chauffe les caquets. On a le premier cas lorsque on tape le nombre d'articles achetés. Maintenant, j'ai acheté un seul article. Après le bon, l'article qui s'est 500 là de manière pas de liaison. Donc, je lis un seul article, 500. Deuxième simulation, je vais simuler sur le cas 2. J'exécute, je vais acheter deux articles. Donc, tapez le nom, je vais acheter deux articles avec 500 dirhams. Une réduction, c'est 0,002. Maintenant, on a une simulation, on a deux chiffres qui dépasse 4. Maintenant, c'est 10 articles. J'exécute. Là, le nombre d'articles, c'est 10. On a de maintenant 500 dirhams. On a de mal la réduction, c'est 4950 dirhams. Le prix global API. Donc, il y a un exercice qui va jusqu'à un semblant. Il y a un choix multiple en utilisant la structure électrique à travers d'autres langages liés à Switch qui va jusqu'à un semblant. Quand on a une structure alternative, donc pour l'objectif du chapitre, Inch'Allah, on va étudier les structures de répétition, qui sont les structures itératives, c'est-à-dire les boucles. On va utiliser le mot réservé while et le mot réservé for. Donc, rendez-vous, Inch'Allah, la séance GIA, et au revoir.